Sékou Fofana. Donc, j'ai connu le prophète sur YouTube, comme tout le monde. Donc, j'ai acheté de l'huile avec lui. Dieu seul sait ce que l'huile a fait pour moi. Donc, aujourd'hui, je sens le plaisir d'être aujourd'hui avec lui en personne. J'ai conduit de Michigan, Détroit, Michigan, à Baltimore, dans le Maryland, presque 12 heures de temps pour venir le voir. Pour venir le voir. Donc, moi, tout ce que je peux vous demander, c'est monsieur, ce qu'il fait pour nous, vraiment, on ne peut pas calculer. C'est incalculable. Il est excellent. Très, très excellent. Donc, tout ce que moi je peux lui dire, c'est merci, ouais. Monsieur le prophète. Ouais, sois vraiment, je suis très, très content d'avoir fait votre connaissance. Merci. Que Dieu vous soutienne dans tout ce bien que vous faites pour nous. Amen, amen. Tout le monde, tout le monde, tout amen. Le monde, tout le monde. Amen. Enfants, grands. Parce que moi, quand je vous vois en train de... D'abord, mon cœur, quand je vous vois dire que je donne mon dernier sou pour aider les autres, ouais. Ce n'est pas permis à tout le monde. Merci. Donc, vraiment, que Dieu vous soutienne merci. Dans tout ce que vous faites. Merci. Que Dieu vous donne longue vie, amen. Que vous tenez sur nous. Amen. Merci. Je suis très heureux, moi aussi, de faire la connaissance de Sékou Fofana. J'étais en France. J'étais précisément à Lyon. Je me réveillais un matin, j'étais en train de checker sur mes vidéos. Je me dis, mais attends, je vois une vidéo, on dit un mot au prophète Crasso, et je me suis posé la question, peut-être qu'on entend encore m'insulter, parce que j'ai trop d'ennemis. Voilà, donc j'ai dit, mais attends, il faut que j'écoute la vidéo, parce que moi j'écoute en tout, hein, tout ce que les gens disent de moi. Et puis avant, j'ai écouté, j'ai dit, mais attends, aujourd'hui c'est intéressant. Et voici quelqu'un qui quand même reconnaît un peu le travail que j'ai fait, barrer la distance et tout ça. Et du coup, ça m'a intéressé. Voilà. Et surtout ce qui est sorti dans sa bouche, il dit le fan du prophète Crasso. Le meilleur fan du prophète Crasso. Le meilleur fan. Voilà, donc j'étais vraiment très heureux de voir et tout ça. Donc depuis là, il a attiré mon attention personnellement. Dieu fait la grâce qu'aujourd'hui qu'on puisse se voir. Vraiment, il a tenu qu'on se rencontre. Comme je venais de dire, il a roulé pendant 12 heures de temps de Michigan. Ici dans le Maryland, précisément à Baltimore, ça fait 12 heures de route, il est venu en voiture, et pour moi c'est vraiment un plaisir, voilà, c'est vraiment un plaisir d'être avec lui, et les mots qui sortent de sa bouche nous font chaud au cœur, parce que nous autres, nous avons donné notre vie pour les autres, nous vivons que pour les autres, voilà, peut-être que ceux qui ne savent pas, sont ceux, ou bien ceux qui sont des enfants du diable, ils sont ceux qui ne reconnaissent pas la chose, nous vivons pour les autres. On n'a même plus de vie, on ne vit que pour les autres. Et quand on a des encouragements de personnes comme ça, ben, on ne se connaissait pas. Donc une personne comme ça qui a pris le temps de regarder, c'est pour cela qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut chercher à connaître l'homme. Il ne faut pas seulement d'attaquer, mais il faut apprécier. Et c'est avec tout ce travail-là qui a fait qu'aujourd'hui je suis rentré à l'ONU. Voilà, c'est tout ce travail, le couronnement de tout ce boulot-là qui a fait que je suis rentré à l'ONU. Et l'ONU reconnaît aujourd'hui le prophète Crasso comme un agent de développement. C'est parti de rien. Il y a une histoire où on a commencé à aider les enfants de se scolariser. C'est tout ça là. Donc quand on rencontre un monsieur comme ça, comme monsieur Fofana, Sékou Fofana, ça nous fait chaud au cœur. Désormais, on est lui et moi ensemble. J'arrive en février, tu vois. Voilà, merci. Il a promis, hein. J'arrive en février, voilà. Février, je serai à... Voilà, donc on est ensemble, c'est la famille. Et puis on salue tous les enfants du monde entier, tous les fans clubs de prophète Crasso. Shalom, soyez bénis. Amen.